faut des matchs comme ça pour changer la donne, et c'est exactement ce qui s'est passé. Après, il y a eu la tension de tout le monde, et c'est là où après, comme je travaille dans le marché chinois, et j'ai eu beaucoup de clubs qui étaient intéressés, et c'est vraiment rare qu'un club chinois recrute un joueur du continent africain directement. 2 ans au Hebei China Fortuna, le temps de côtoyer de grands joueurs. Il a beaucoup appris avec Mascherano, avec Lavezzi, il a beaucoup appris à enlever le stress et à se donner plus à l'entraînement pour effectivement être à 100% au match. La belle histoire ne s'arrête pas là. Hervé Renard, alors sélectionneur des Lions de l'Atlas, emmène le gaucher en Russie. L'enfant de Casablanca, menuisier à l'adolescence, démarre la Coupe du Monde dans la peau d'un titulaire. La Coupe du Monde, pour lui, il m'a dit, j'étais comme un enfant. Il a été vite intégré dans le groupe, un super groupe, ils étaient tous gentils avec lui, il était hyper content et il me disait que c'est pas ma Coupe du Monde c'est 2022. Donc il était déjà comme un enfant, déjà heureux de faire de celle de 2018. Pour lui, en tant que carrière et tout, 2022 c'est vraiment la Coupe du Monde qu'il vise. Car depuis, El Kaabi n'a goûté à la sélection qu'à 3 reprises. Ce deuxième Chan est une opportunité pour lui de se faire remarquer par le nouveau sélectionneur Vahid Ali Lodzik. S'il cartonne encore cette chaîne, donc il va prouver à l'entraîneur qu'il a retrouvé son rythme et qu'il a le droit à une nouvelle chance. C'est pour ça qu'il est revenu jouer cette saison au Maroc. Au WAC, El Kaabi flambe, comme ce jour de triplé en Ligue des Champions. Ses objectifs, empiler les buts pour attirer les